l'orgueil visite des soi-disant investisseurs pauvres. Christelle Sassou-Guesso n'a pas fait les choses dans la demi-mesure. Il avait porté une paire de chaussures, non, une paire de baskets Berluti, d'une valeur de 8000 euros, ce qui vaut autour de 5 millions de francs CFA. Alors que les fonctionnaires et les retraités croupissent dans l'insalubrité sociale. Quelle arrogance et quel mépris vis-à-vis du peuple congolais qui a tout donné à son père. Jusqu'où cette famille marchera-t-elle sur le peuple? La révolte devient inévitable. Denis Sassou Nguesso et sa famille ont pillé, ont détruit le tissu social de la République du Congo. Nous appelons à une conscience, à une prise de conscience à tous les citoyens congolais. Il est temps de dire stop. Comment doit-on continuer à se taire face à cette injustice sociale? Est-ce que le Congo est-il devenu une propriété de la famille Sassou Nguesso? Comment peut-on dépenser l'argent de l'État congolais pour une jouissance personnelle alors que les gens croupissent dans la misère? Ne pensez-vous pas qu'il est temps de mettre un terme à la folie de grandeur de cette famille qui humilie tout un peuple?